minutes consacrées à l'examen des objections du président. Article 187. Les objections sont soumises au vote des députés sous la forme d'amendements au texte adopté ou d'une motion d'irrécevabilité si le président a objecté au texte dans son entier. Aucun autre amendement ne peut être mis en discussion. Merci, deuxième secrétaire, de donner lecture de l'article 187 à présent. Article 187. Les objections sont soumises au vote des députés sous la forme d'amendements au texte adopté ou d'une motion d'irrécevabilité. Si le président a objecté au texte dans son entier, aucun autre amendement ne peut être mis en discussion. Merci, collègue Gerda Benjamin, deuxième secrétaire. Nous demandons au secrétaire général de distribuer les documents relatifs à la séance du jour. Merci. Attention, 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 s'il vous plaît, collègue profane, s'il vous plaît, collègue profane, s'il vous plaît, collègue profane, s'il vous plaît, collègue, s'il vous plaît, collègue Claude Leslie-Pierre, s'il vous plaît, collègue Lumière, s'il vous plaît. Donc, nous passons pratiquement toute session, notre travail, donc il était 3 jours pour session finie. 3 séances, Mbakwe. Merci, secrétaire général. Thank you.
Merci, collègues, de regagner vos places, s'il vous plaît. Merci de regagner vos places. Nous demandons à tous les honorables députés de trouver un siège, s'il vous plaît. Regagnez vos places, regagnez vos places. Il n'y aura pas de duel, comme vous dites, dans l'Assemblée. Merci, collègues, de continuer à prendre place. Merci. Merci de votre compréhension. Collègue de la Cour, s'il vous plaît. Collègue Philomé Hilaire, merci. Merci.
Thank you.